Catherine m'a dit un jour qu'elle avait piégé l'endroit contre les intrus. Je vais devoir faire attention. Tu n'es jamais entré ici, pas vrai? Erin? Qu'est-ce qui se passe, Garrett? Ne me dis pas que j'ai pris le dessus pour une fois. Par là. Comment peux-tu être là? Tu es morte. C'est peut-être l'endroit où les morts attendent quand ils n'ont nulle part où aller. Et te voilà. Est-ce que tu es mort, Garrett? Je t'ai observé. Je voulais être toi. On se ressemble tellement. Mais pourquoi je me suis obstinée? Le monde a déjà un Garrett. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu voles une clé de la vérité. Ça date d'avant que je quitte la maison et que je devienne Erin. Mais tu devras la trouver toi-même. C'est la règle. Commence à chercher. Je te dirai si tu chauffes. Tu
tu chauffes. Un peu plus loin. C'est comme si Erin voulait que je trouve quelque chose. Je peux pas partir sans vérifier. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi Erin avait ça? Direction la maison des pivoines. Elle est signalée par des lumières rouges. Si je trouve les lumières, je trouve le bordel.
belle pièce. La famine empire tous les jours. J'ai 6 bouches à nourrir, et j'ai juste une pomme. Tâche de pas faire la même erreur que Ruger. Qu'est-ce qu'il a encore fait, ce crétin ? Il a volé du pain. Les cafards lui ont tordu le cou avant même qu'il ait eu le temps de sortir de la boutique. Thank you.
Tu as étudié le bâtiment du conseil municipal de la vigile ? C'est fait. Hautement sécurisé, comme prévu. Et le buste du baron ? En or massif. Ça vaut un pactole. Même avec la sale tronche de North Crest. Le souci, c'est que le buste est verrouillé la nuit par un mécanisme de sécurité spécial. C'est trop risqué. Je propose qu'on renonce. Si d'autres voleurs veulent le buste du baron, qu'ils aillent se faire pendre.